Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Donc, avant toute chose, les amis, avant que ça commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir de voir que mes vidéos vous servent. Rien que les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Mais un petit abonnement, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Donc, merci, un grand merci à tous ceux qui le feront. Avant que la vidéo commence, les amis, on n'oublie pas, il y a deux Discord dans la description, donc le Discord de la corporation, donc que vous soyez nouveau ou un vétéran du jeu, ou que vous soyez solo ou en groupe, la corporation de la DG Team recrute toujours, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir postuler sur le Discord, on saura vous accueillir comme il se doit. Deuxième Discord, c'est le Discord communautaire où tout le monde peut rejoindre, même si vous n'êtes pas de la même corpo, même si, enfin voilà, peu importe ce que vous faites, si vous aimez bien les jeux vidéo, tout simplement, voilà, c'est un Discord communautaire multi-gaming, donc n'hésitez vraiment pas à le rejoindre, on fera un plaisir de vous accueillir. Il y a mon code parrainage tout en bas de la description, donc n'hésitez pas à le mettre pour les nouveaux comptes RSI, ça me fera extrêmement plaisir, ça vous donnera 5000 AUEC en plus à chaque mise à jour, donc voilà, n'hésitez pas à le mettre, et ça vous pouvez gagner quelque chose, et moi ça me fait gagner aussi derrière, on va dire entre guillemets, des rangs par rapport au code parrainage. Donc merci à tous ceux qui le feront. Par la même occasion les amis, je vais recommencer les live Twitch d'ici une petite semaine, moi même, je les reprendrai là, normalement la vidéo sort le samedi 22, voire le dimanche 23, enfin je sais pas trop, et je reprendrai les lives sur Twitch lundi 24, donc pour tous ceux que ça intéresse, il y aura le lien dans la description, lundi 24 à 20h je dirais, sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, voilà, ça me fera extrêmement plaisir de voir qu'il y a du monde qui rejoint le stream en tout cas. Donc voilà les amis, donc cette vidéo, on peut la commencer, donc cette vidéo elle va être faite en grande partie pour vous montrer qu'on peut avoir du stuff gratuitement dans Star Citizen. Donc il y a eu plusieurs vidéos dans ce style sur la chaîne YouTube, c'est pour l'argent, faire des missions facilement. Là maintenant ça va être pour vous, vous puissiez gagner entre guillemets du stuff pirate gratuitement. Donc à savoir que il me semble que les armures que vous récupérez, ou les armes que vous récupérez, elles sont vendables, d'accord? Donc c'est pas un truc que juste anecdotique comme ça, c'est vraiment, vous pouvez les revendre. Donc, je vais vous faire voir comment on procède pour, en tout cas, récupérer au moins du stuff gratuit. Le revendre, ça serait une autre chose, parce que, bon, c'est pas très simple, parce qu'il faut aller à droite, à gauche. Donc, au moins, vous faire voir comment on peut avoir du stuff gratuit. Donc, vous allez ici, d'accord? Donc, vous allez dans l'entrepôt de chaque station. Vous allez tout en bas, vous allez dans le conteneur, et là vous pouvez acheter des caisses de SCU. Donc forcément, si vous êtes entre guillemets un petit niveau en termes de cargo, les 1 SCU et les 2 SCU sont les mieux pour vous, malgré que j'ai envie de vous, je vais pas vous mentir, que vous ne pourrez pas mettre grand chose dedans. Voilà, comment expliquer que ça va vite se remplir. Donc après, vous pouvez faire des allers-retours, attention, entre la station, par exemple, si vous voulez vous baser à leur ville, vous pouvez vider tout votre stuff dans leur ville et repartir en mission pour changer du stuff. Donc moi, je vais pas en acheter parce que j'en ai déjà acheté deux auparavant. Donc, on va se rendre, du coup, moi, je vais prendre le Corsair. Je vais prendre le Cutter pour vous montrer avec un starter pack, mais après, je sais qu'il y a des vaisseaux qui sont louables, voilà, qu'on peut louer, donc... honnêtement, je me dis que vous pouvez toujours avoir des caisses comme je vais avoir. Donc là, c'est des 8 SCU. Donc écoutez les amis, on se retrouve devant notre vaisseau. Donc nous revoici dans le Corsair les amis. Donc du coup, dès que vous êtes à l'intérieur de votre vaisseau, donc à savoir quand vous allez faire ce genre de mission, il faut être un minimum stuff. Peut-être pas aussi lourdement armé que je le suis, mais il faut avoir un minimum de stuff, d'accord, donc au moins une armure, une arme et de quoi se soigner, voilà, c'est le strict minimum. Donc on voit les caisses qui sont juste là, hop. Donc, vous avez vu, en fait c'est comme si vous jetez un truc au sol, donc là forcément hop, faut prendre le multi-tool normalement direct dans la main. Je sais que sur les stations ça bug un peu. Et la preuve, ça brille. Donc au pire des cas, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Hop. Voilà.
Hop là. Comme ça, on aura deux caisses de 8 SCU. Donc, ce que je vais faire à nouveau, les amis, c'est que je vais décoller. Et je suis au courant. Et bien, re tout le monde. Donc, on se retrouve sur le site. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais pour avoir le maximum de stuff, c'est dans les missions de mercenaries. C'est là où vous aurez le plus de PNJ à tuer, forcément. Et le plus simple, hein, et le plus facile, c'est de tuer les PNJ sur les épaves, comme je m'apprête à faire. Tac. Juste avec moi, je fais un très gros bisou. Et ça va être le petit bémol. C'est pour ça que c'est très bien quand vous avez un petit vaisseau, hein. C'est tout aussi bien. Voilà, là j'espère normalement ça devrait le faire. Donc là, hop, on éteint juste les moteurs, on regarde les réacteurs. Donc là il y a un carac juste devant. Donc oui, les missions c'est. Excusez-moi, je vais juste enlever ça, comme ça au moins on n'aura pas de problème. Attendez, non, je vais même passer par là. Donc, tac, je vais faire une ou deux missions avec vous pour que vous puissiez comprendre le principe. D'accord. Et si vous voulez des vidéos où pour revendre tout ce qui est armes de vaisseau ou même armure, n'hésitez pas à me le dire. Il faudra vraiment par. J'ai peur de me faire tirer dessus. Mais du coup, ça a été. Donc là, vous voyez, il y en a un. Donc là-bas, il y en a trois. Donc là, on va commencer par faire. C'est. Même les armes, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, vous pouvez le prendre. Hop. Donc soit vous le faites dans le vaisseau, ou alors, parce que là par exemple on voit qu'on enfin, c'est une galère pour remonter, donc ce que vous pouvez faire, si bien sûr vous pouvez, parce que j'avoue. Hop. Vous sortez la caisse. Donc que la mission soit finie ou pas, hein. Là voilà, apparemment elle est finie, tac, vous mettez ça ici, donc là, votre objectif c'est, vous prenez du coup, ok, donc alors je savais même pas que ça existait ça, la Lander Suite normalement, et vous la mettez par terre, mais là, on n'a pas très envie, donc vous prenez tous les composants d'armure. Tac. Vous prenez tous les composants d'armure. Vous le foutez par terre. Voilà. Hop. Il y a un monsieur. Non, c'est pas ça qui est beau. Donc, parfois, vous ne voyez pas les hits, hein. Les hit markers là, sur les PNJ, mais vous les touchez pas, vous les touchez quand même. Il y a des moments. Hop. Normalement, de ce côté, c'est pas mal. Donc, c'est un truc qui prend assez de temps parce que vous êtes obligé de prendre hop, les trucs dans la main. Et en gros, à partir de ce moment-là, s'il veut bien, apparemment, il n'a pas trop l'envie.
D'ailleurs, il y a des caisses qui ont disparu, donc ça fait plaisir, les bugs de Star. Alors, soit le serveur est en PLS. Mais il n'est pas tant en PLS que ça, parce qu'il y a des... Eh merde. Tu peux lâcher ça, mon ref. Donc là, sans essayer de se faire niquer. Du coup, il y a des renforts qui sont arrivés. C'est pas tout le temps prévu. Mais là, voilà, faut se dépêcher de remonter. Mais attends, mais il est où, mon assesseur? Ich, il est là. Il est en train de se faire plaisir, le ref, là-haut. Allez. Au moins, vous... ce qui est bien, c'est que quand je tourne mes vidéos, au moins vous voyez tout ce qui se passe. Hein. J'espère qu'il n'a pas tombé rapidement le corsaire. Je sais qu'il n'est pas trop fragile, donc ça va. Allez, voilà. Ça va encore, là c'est juste les balistiques qui me touche. Hop. What? C'est quoi ça? Pourquoi je... Ça passe quoi là? Mais je suis Keblo dans l'arbre! Ah oui, d'accord! Mais si, c'est plus cela! Je pensais pas que ma porte serait restée bloquée. Hein. Hop, ça dégage. Donc là, normalement, on est tranquille pendant un petit moment. Donc je vais essayer de me mettre autre part. Hein. Peut-être compris pourquoi je vais pas m'en mettre au même endroit. Je vais me mettre sans le techo. J'espère que ça passera. Donc là, à savoir qu'on vient d'avoir un petit bug. Au niveau, on l'a bien vu de les armes. Mais normalement, c'est bon. Alors, c'est bon. C'est bon. On va dire que c'est bon. Allez hop. Là, je l'enlève, t'as gagné toujours, hein, comme on dit. Tac, je vais retirer ça du coup. Et du coup, voilà, faut charger les caisses comme je vous le montrais. Je reviens vers vous dès que j'y suis. Donc les amis, petite strat plus facile. Quand vous arrivez sur zone, vous tuez les pirates. Au lieu de mettre dans des caisses, parce que c'est ce que je faisais avant, mais je pensais que ça aurait été plus simple avec des caisses, mais pas du tout. Donc ce que vous faites, boum, voilà. Vous ramenez les cadavres à l'intérieur, vous ouvrez l'inventaire, je vais vous le refaire voir là avec les autres cadavres, et vous glissez tout à l'intérieur. Pas plus compliqué que ça, pas plus simple. Une fois que ça fait, le cadavre, hop, vous le dégagez. Donc là, pareil, s'il veut bien, tac, vous ouvrez l'inventaire, vous mettez dans le véhicule en haut là. Donc attendez que ça charge. Vous prenez l'Undersuite. Hop, et vous glissez tout à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus simple du coup, comme ça, qu'avec les caisses. Hop, mais après aussi, c'est parce qu'on a un petit serveur qui n'est pas en bonne santé, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça qu'il pleut. Hop!
premier tout dans le rough, il se retrouve à Welp. On prend le match attaque, on balance. Donc là on a eu 3 cadavres. Moi par exemple j'ai ma casque qui est là, elle est complètement vide parce que du coup en fait je crois même qu'il y a eu un... Il y a un bug avec les caisses, mais tiens les caisses pas très très grave. Hop là, je vais juste essayer quand même pour vous, au cas où, parce que on peut tout transférer du véhicule à la caisse externe. Apparemment non. Donc je sais pas pourquoi en fait ne veut pas mettre ça là-dedans. Aucune idée. Peut-être qu'elles sont buggées, je saurais pas vous dire les amis. Donc écoutez, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se rediriger vers une autre mission, pour que vous puissiez encore bien, bien voir à quoi consiste cette pour avoir du sub gratuit, tout simplement. Comment la technique fonctionne, et du coup on se laissera sur ça. Donc les amis, attention, parfois utilisez des pas, vous pouvez avoir ce genre de pirate. Donc forcément, bah là le combat était inévitable. Donc faut faire très attention. Encore c'est là moi avec le corsaire, ça devrait le faire largement. Voilà. Déployer les ailes. Forcément, c'est quoi? C'est un Starfarer, ça? C'est que tous réunis, ils peuvent faire très mal, hein. Donc c'est pour ça que... Normalement, vous n'êtes pas censé en trouver autant de gros vaisseaux, on va dire. À savoir que moi mon corsaire il est de base, hein, c'est il n'y a rien qui a été amélioré dessus parce qu'en 3.23 j'ai quasiment rien amélioré parce qu'on m'a reset déjà pas mal mes vaisseaux, donc ça peut fier. Mais donc ouais, non mais après, comme vous pouvez le voir, en corsaire hop là, hein, c'est et vite fait il est où le dernier? Ah, ça c'est les flics. Vous savez quoi, j'aime me taper le caterpillar. Oui, donc forcément, c'est comme à côté de des mares, là, vous savez. Je me rappelle, c'est tellement que j'y ai pas été. Bon, on vend la drogue. Voilà, tout simplement. Il y a des pics qui viennent, hein, forcément, au bout d'un moment. Tac. Donc, ce que je vais faire, je vais juste monter ça et du coup, je reviens vers vous dès que j'atterris. Donc les amis, nous revoici sur zone, donc on voit bien qu'on a 6 ennemis à tuer. Donc ce que je vais vous faire, moi je vais vous mettre ça en accéléré, et on se retrouve tout de suite après à avoir vidé le stuff des mecs. We'll be right back.
désolé les amis, je parle dans le vide. Du coup, je disais, comme quoi, comme vous avez pu le voir, en moins d'une demi-heure, enfin à peu près une demi-heure, parce qu'il y a les trajets qui ont duré quelques minutes, mais je vous ai quasiment tout montré, tout filmé. Donc, on peut se faire quelques armures assez facilement et assez rapidement en soi. En deux heures de temps, on peut en amasser énormément. Et après, à savoir que tout ça peut se vendre, donc... Si ça vous intéresse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une vidéo de vous montrer comment on peut vendre ces armures et où les vendre, et même les équipements de vaisseaux ou quoi, ou les revendre, parce que vous pouvez les vendre, les voler sur des vaisseaux ou des carcasses. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse de voir ça en vidéo. En tout cas, voilà, c'est une petite façon de se faire du stuff. En règle générale, on le fait en début de wipe, parce que forcément, on n'a pas beaucoup de thunes, donc on peut pas s'acheter des armures de zinzin, des armes de zinzin ou autre. On essaie d'économiser un maximum de pognon. Et même là, actuellement, moi, je ne mens pas. J'ai 20 millions. Je fais très gaffe quand même, parce qu'ils m'ont retiré des vaisseaux à chaque mise à jour. Du coup, ça aide énormément, on va dire. Pourquoi ça a bouché? Donc ça aide énormément en début de web. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on fait un petit peu de stuff, un peu de munitions, d'armes. Donc ça va en soi. Vous n'aurez plus grand chose à payer derrière. Donc moi je trouve que c'est voir. C'est même si vous lootez les caisses, vous pouvez avoir des multitools et tout ce qui va avec, les attachements et tout ce qui touche aux multitools d'une façon ou d'une autre. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner les amis, c'est extrêmement important pour la chaîne YouTube, pour son développement et ses futurs projets qu'il y aura. Pas que sur Star Citizen, bien entendu, on va varier nos sujets. Et même, pourquoi pas, faire de l'IEL. Donc les amis, voilà, on s'abonne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Juste pour nous.